Eh bien, bonjour à tous. J'ai commencé 2 minutes en avance le stream. Yeah! Ça va, je suis à l'heure. Je suis à l'heure, c'est tant mieux. Donc, la musique, pour ceux qui demanderaient, c'est le thème d'Emile, version piano, car j'apprécie beaucoup. Alors, comme c'était convenu, j'espère que la musique ça va et que vous entendez bien ma voix. N'hésitez pas à me dire s'il y a un petit pépin. Alors donc, aujourd'hui, c'est pour débuter le Let's Play de l'Enfer sur Zelda Ocarina of Time. Donc, ce qui sera prévu, ce sera pendant les 2 heures où je vous ai avec moi. Je vous ferai le jeu et je le streamerai ce jeu. J'attendrai assez régulièrement jusqu'à que je le finisse. J'ai juste pour but de le finir. Je découvre un jeu avec vous, dans la joie et la bonne humeur. Alors, pour ta question, justement, non. Mad Punk, je n'y ai jamais joué, ce sera en totale découverte pour moi. Donc, sans plus tarder, je vous coupe la musique, hein. Même si c'est une très belle musique, je vous donnerai le lien, peut-être un de ces quatre. Donc, nous y passons tout de suite. Voilà. Je vous fais ça. Vous me dites si c'est bon, il n'y a aucun problème. Hop, bon bah j'espère que cela va vous plaire. J'espère que l'overlay vous plaît. Là je regarde juste si les configs sont passés. Ça a l'air d'aller. Donc fichier. Alors, au début je pensais à un nom. Ah, le jeu est trop fort. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou je dois encore baisser le volume? J'attends vos retours. Je baisse encore, j'augmente. Non, je pense augmenter. Est-ce que j'ai. C'est mieux ou je. D'accord, c'est mieux. Est-ce que vous voulez que je diminue encore? Est-ce que je peux? Je vais quand même baisser un petit peu au cas où. De 3 fois rien d'un petit iota. Voilà. Juste pour en être sûr. Si vous entendez pas assez bien le jeu, je rectifierai. Donc voilà, lui mettre son vrai nom, même si j'aurais pensé à un autre nom, mais bon. Ah, comme ça. Mais bon, on va pas commencer dans les médias, surtout qu'il y a. Ah, on n'entend plus là. D'accord. Voilà. C'est mieux la terre. Voilà. Faut que je reclique. Est-ce que là c'est bon? Voilà, j'ai écrit le nom. Est-ce que. Ok, je ne touche plus à rien. Donc c'est parti. Have fun ou have an L, hein, comme on disait très bien sur Guilty Gear. Donc Link, here we go. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce let's play. Pour le moment, je me tais. Cinématique. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme gardien des bois. Génial, l'émulateur ne fait pas tout correctement. J'en suis désolé. Okay, mes enfants. Et what the fuck? On dirait qu'il y a un petit bug niveau de l'émulateur. Dès la naissance, chaque Okiri reçoit sa fée. Ouais, ben. On dirait que. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Le texte est coupé, oui, je sais. Et je pense que l'émulateur n'est pas parfait. Après tout, c'est peut-être pas étonnant, l'émulateur pour un grand parfait. Je sais pas pourquoi j'ai ça, la bande noire. Faudrait que je voie. Pour le moment, on va faire avec sur ce stream là, mais je tenterai de faire un peu mieux.
Et waouh! Tout à fait, ma sombre lame. Faudrait que je revoie ça. Viens. Oui. Navi. Bon, désolé, moi je vais te renommer autrement, mais ça, on verra ça. Navi, où es-tu? Viens, moi. Bizarre. Tiens. Waouh, faudrait que je vois ça dans les configs. Mais vous inquiétez pas, je suis tout aussi désolé que vous, mais on va faire avec. Alors, Navi l'a fait, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Je sais pas si c'est Hyrule ou Hyrule. Bon, après, ça dépend de l'accent, mais on va dire Hyrule. Depuis toujours, la forêt de Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi. Trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Bon, on va être d'accord sur une chose. Je vais pas l'appeler Navi, parce que ça me fait rappeler quelqu'un que j'apprécie. Puis, une fille qui vous fait listen toutes les deux secondes, moi ça me fait penser à Nika. D'accord, ça, voilà. Donc on voit que ici, dans ce village, on aime beaucoup fêter la Saint-Patrick, hein, toujours habillé en vert. On l'a fait qui a un peu de mal. Donc c'est là qu'on rencontre Nika. La 110 not negotiable, je l'appelle Nika. Hello. Hey Link, debout maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler, réveille-toi Link. Donc ce qui veut dire qu'il avait fait un rêve quand il a vu ce Rookmoot de l'enfer de couleur de peau noire. Oh, tu vas te lever, oui. Donc, je pense qu'à la place de Link, j'irai voir peut-être quelqu'un. Parce que faire rêver d'un Rookmoot de l'enfer noir à cheval, mais genre qui m'attaque, franchement, comme rêve, c'est what the fuck. Enfin, à sa place, je serai voir. Ne commence pas trop déjà, ça me claque des cheveux. Je commence de mal. En tout cas, t'es un paresseux, Link, allez debout. Alors, mon petit. Alors, bonjour, moi je suis Nekazor et je suis ta petite pépé. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. Mais juste ta partenaire pour t'aider. Pas ta partenaire d'autre chose. Elles sont trop jeunes, gamin. Bordel de merde, je commence déjà. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Il se pose pas de questions. Tiens, on dirait que ça fait un peu à la Resident Evil. Hein. T'as déjà la... Ouais, t'as déjà la roulade, gamin. Tu sais rouler. Tu sais rouler. Ok, j'ai cru qu'il y avait un bug. Et ouais, il y a des bugs graphiques. Waouh. Ok. Faut dire juste comment sauvegarder. Parce que ça, je ne sais pas. Alors, équiper. Y'a pas moins de sauvegarde.
Ok. Ah, that bug du menu. What? Executing from non mat. Ok. Ça commence bien. Alors, je pensais pas que ça commencerait déjà à me troller. Non, ça c'est à configurer. Ne vous inquiétez pas les enfants. Je vais régler ça tout de suite. Émulation. Non, c'est pas ça, pas ça. Non. Ah merde. C'est pas à mettre, je fais déjà mon tard. Bon, voyons voir. Le son, contrôle, ça va le laisser. On va essayer cette version là. Ok, changing, change, plugin. Tu fais ton reset. On va voir si ça va aller mieux. Bon, déjà ça m'a gardé mes configs. J'ai arrêté de faire mon tard. Alors, oui, on va reprendre. J'espère que ça va pas me remettre. Ouais. Ah, c'est comme ça de base. Je croyais que c'était vraiment la vue à la RE. Ah, on peut voir. Alors, record de Link, araignée écrabouillée, 0. Plus gros poisson, 0 livre. Marathon. Oh, vas-y, genre, pour garder tes records. On dirait que ça a l'air d'aller. Ah, tu veux faire un truc? Ah, ok. Est-ce qu'on peut le casser? Ah, oui! On peut déjà aider le marchand de poterie. Et on a notre premier rubis! Ah, mais c'est trop bien! Au moins, on commence déjà. Forêt Kokiri! Désolé des petits problèmes qu'il y a eu au début, mais vous en faites pas. Ce n'était pas pour rien. Allez, arrive à tout le monde. Ça est live, les streams. Et on a une chemise aux cheveux verts. Hey, salut Link. Salut mademoiselle avec tes cheveux fort sympathiques. Ouah, une fée. Elle s'appelle Nika et c'est ma partenaire. Enfin, tu as reçu une fée, Link. Yippie, quelle bonne nouvelle. Je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors c'est vrai, le révélateur Abromojo t'a convoqué. C'est une véritable, c'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable Abromojo, tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Abromojo. On dirait que les deux fées s'aiment bien aussi. Hein. Merci. Bon, pas genre. Ça, je suis sûr. Non, je ferai pas de blague. Ah, en fait, sombre lame, ce que je vois, en fait, c'était que le truc en lui-même, sur l'émulateur, il y a différents plugins et j'ai changé un plugin. Quoi, la vie? Le très vénérable. Qu'est-ce que t'as, Nika? Abromojo veut te parler, suis-moi vite. T'es où? Vas-y, indique-moi le chemin, idiote. Elle est marrante, cette fée. Bah, Nika. Toi, tu fais chier, Nika, ça sert à rien. Faut y aller pas d'eau, hein. Alors. Ok, ça sert à rien. Elle pourrait pas, genre, faire une flèche, me pointer la direction. Je sais pas, moi, mais un truc qui... En fait, si c'est pas le chemin, tu y réapparais pas. Bon, je suis sûr qu'il va me dire. Hein. Parler. Parler, alors, tu n'es pas autorisé à quitter la forêt, petit Kokiri. Le très vénéré arbre Mojo dit qu'un Kokiri hors de la forêt est un Kokiri mort. Arrête, j'ai déjà une fée que j'ai Dominica, il y a déjà eu l'ES. Ah oui, mais merde! Le gros sac, Jack a. Non, c'est mon point de départ. Oulah, je vois qu'il y a une carte en bas. De toute façon, c'est bien ce que je dis, tu sers à rien. Bon, comment? Ok! Toi, t'es comme ça, toi. Bon!
Hey, toi là, monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi au vénérable arbre mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai kokiri d'abord. Quoi? Bah oui, j'ai une fée. J'ai Nika, alors fais pas chier maintenant. Oui, maintenant j'ai Nika, des garpilles, gamin. Le grand Mido. T'es juste un gratos, Génica. Oh, t'as pas notre. Déjà, bonjour Lord Ephraim. De toute façon, donc bonjour à toi Lord. Ton lien n'est pas en entier déjà. Et ne vous en faites pas, j'ai prévu. Il y a les VOD. Car. Car on m'avait demandé de. Car je prévois de faire les VOD. De toute façon, vous les bugs, les petits foirages, vous les aurez aussi. Je m'en occupe. Alors, ne paniquez pas, ne stressez pas. Enfin bref. Donc, Génica, maintenant laisse-moi passer, gamin. Je crois pas, t'as même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable F en un jeu sans épée ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais. Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Bon, c'est où que je trouve ça, moi, maintenant. Ok, il me demande d'avoir. Ah, le boulet! J'ai inversé les touches! Ah non. Oh, et puis, zut! Bon, pour aller cette saloperie d'épée. Peut-être toi. Alors, cette peste de Mido m'a obligé à tondre la pelouse devant la maison de Saria. Mido drague Saria en lui rendant service. Mais au bout du compte, c'est moi qui me tape le sale boulot à sa place. Toi et Saria, vous êtes plutôt copains, non? Alors pourquoi tu m'aiderais pas un peu à couper cette herbe? Tu n'as qu'à garder tout ce que tu trouveras. Bah écoute, je vais bien t'aider si je trouve une putain d'épée. Enfin, et toi, Nika, tu sais pas où il y aurait une épée, non? Espèce de fée useless. À part me dire listen, ça sert à rien. Y'a pas moyen de diriger la. Pas moyen. Hop. Je sens que ça va me plaire, ça. Oh, y'a des pierres en haut. Putain, chier, c'est bien là. Lord, si tu n'arrives pas à m'envoyer un lien correct sur le chat, envoie-le-moi sur Skype. Y'a pas moyen de redresser la caméra, je sais pas, avec Z. Faire avec ça. Tiens. Alors, hihihi, tu es arrivé jusqu'ici tout seul, c'est comme un grand, tu es un homme, un vrai de vrai. C'est encore un gosse qui est même pas adolescent et tu dis ça, regarde, belle vue, non, tu peux changer ton angle de vue avec haut et admirer la forêt. Ouais, en gros, donc, je peux voir ta sale tronche en FPS. Why not, hein? Y'a pas moyen de redresser cette foutue caméra. Non mais je vais jump. Oh, y'a pas quelqu'un qui pourrait me dire où je peux trouver une foutue épée. Alors, cabane, je sais pas qui est. Bon, allez, on va. L'épée est au sud. Ouais. Bon bah déjà on va faire comme tout bon RPG, on va fouiller. Déjà on va fouiller. Oui, je ne faites jamais ça chez vous, c'est pas bien. Je me suis. Une moche te demande si tu as la belle vie. Bon bah déjà on commence à être riche, hein. Allez hop, 17 rubis, le chemin au sud. Vous trouvez un cœur de vie, votre énergie. Tu me donnes un truc qui me sert à rien, y'a pas. Y'a pas genre.
Non, on peut pas les casser. On peut pas aider le marchand de poterie. Ok. Chemin sud. Donc, le sud, c'est pas. Tiens. Tiens, toi. T'as un truc à me dire? Ah, enfin, tu as eu ta. Oui, j'ai eu Nika. Vous allez me faire chier longtemps le fait que j'ai eu Nika. L'air d'entraînement, Sylvestre t'enseignera de nouvelles techniques. Dirige-toi vers cette colline. Merci bien, jeune fille. Bon, il n'y a pas un PNJ dans le coin. Je peux faire. Je suis tel machin, je vais t'entraîner. Oh bah, tiens, il fait. Et on peut passer de l'autre côté. Bonjour, brave homme. Bon, répétons quelques mouvements. Cible quelque chose avec la visée Z et appuie sur A en allant. Droite à gauche pour bondir sur les côtés. Cible avec visée, appuie sur A tout en pointant à l'arrière. Lors des frames, comme vient de dire Mad Punk, ça servira à rien si je passe 2 heures à trouver une foutue épée. Dégaine ton épée. Mais j'ai pas d'épée. Entraîne-toi à la visée. Bon. J'ai pas d'épée. Voilà, bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai fait. Bon, rêve. Ah merde, c'est juste. Ok, dans le tunnel, je prends note. Dans le tunnel. Et attention qu'il n'y ait pas de bug en passant sous un tunnel, hein. T'as compris? En tunnel. Ah, pour comprendre si on prend le métro. Bon, passons. C'était une blague de merde. Oh. Alors, visée Z. Entraîne-toi à la visée Z. Je crois que je me suis planté dans les contrôles, mais ça, c'est mon problème. Oh. C'est bon, au moins, ça fait pas un plan. Bon. Et j'aime pas ça, ça. On dirait qu'il y a un truc qui va tomber. Mais dites-moi, y a pas un moyen de redresser la caméra? Alors, angle Z, appuyez sur Z pour axer votre angle vers l'avant. Restez mobile plus chargé de direction maintenant. Z pour accéder. Cette technique pourrait nous conduire toujours dans la bonne direction. Alors, vous pouvez vous déplacer littéralement, les pas de côté. Oh, partage. Ouais, j'ai eu. Espèce de gratos. Tu permets, je prends le coffre. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Une épée! Alors, activez la, c'était là, mais le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Faut être vraiment nœud pour pas savoir utiliser une épée. Bon, où c'est cet équipement? Bon. On va sauvegarder que j'ai l'épée, hein. Putain, c'est un miracle, j'ai perdu mon pari, chier. Déjà. Alors, le caillou est par là, donc on peut passer par là, par là. Allez hop. Bon, on va le laisser passer le caillou. Pour le bouclier, fouille le village, tu n'iras pas retrouver, j'espère. Ok. Toujours une vue. Alors, tu as résolu. Tu es relou, sans problème, je dois te payer 30 euros. Dans ta face. Bon, je suis sûr qu'il y a un truc dans ces herbes. Alors. Entraînement terrestre, prière de ne pas. Je trancherai pas ça. Alors, cabane des frères, je sais tout. Ah, voilà. Monsieur, je sais tout.
Bon, Gratos, tu vas me dire où est le bouclier. Je peux te renseigner sur les icônes en haut de... Oh non, en fait, je retire ce que je viens de dire, tu sais rien. Bon, on va prendre la peine. Je m'en fous, je casse ton chien. Je te casse tes... Bon. Je suis incollable sur les... Bon, on va faire les objets, blablabla. Okay. Moi, il y a une touche pour tout passer. Veux-tu savoir comment utiliser le bout... Dans un endroit comme celui-ci... Oh, vas-y, hein. Quand machin, on s'en fout de Nika. Nika, on l'emmerde. Tiens, où il est le monsieur qui était sympa et qui nous avait demandé de lui donner un coup de main? Oh, voilà. Saria. Toi et Saria. Ah oui, Z. Ah oui. Mais arrête de le cibler, espèce d'homme! Espèce de con chevelu! Voilà, Saria, au moins elle a fait pas chier. Bon, Miss. Quoi, Mido ne veut pas te laisser voir le vénérable Aromojo? C'est ça, oh le vilain. Je ne sais pas pourquoi il est si méchant avec tout le monde. Même s'il a raison, c'est fort. Il se passe des choses. Sois prêt à tout, tu ferais mieux de te trouver une arme. J'ai déjà l'épée. Va t'acheter un bouclier à la boutique Kokiri. Mais pour l'épée... Boutique, voilà. Pour une fois que je suis les règles de RPG et que je fais pas le tard qui va tout droit et puis on s'en fout. Bon bah maintenant, il faut trouver la boutique. De toute façon, j'ai 33 rubis. Bon, lui... je l'ai dépouillé. Je lui ai pris tout ce qu'il y avait chez lui. Normal. Ah oui, ça c'est je sais tout. Bon, peut-être par là. Ah. Oui, je saute comme un tarde. Et je suis sûr que c'est là. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Hey coquine, bravo, voilà comme on s'utilise. Vous pouvez pas dire son nom, c'est Nika, c'est vraiment chouette d'en avoir une, hein. Bof, un petit toujours listen et un petit des conseils useless. Je vais t'apprendre à parler aux gens avec ta fée. Quand une fée vole autour de quelqu'un, utilise Z pour regarder dans sa direction. Utilise la vis Z pour parler aux gens du village, moi, un peu comme nous sommes en train de le faire. Et si tu n'as rien à cibler, puis sur R pour regarder devant. Bonjour. Alors, bienvenue. Ah, tu veux parler? Parle au marchand. Nous vendons des boucliers, mais pas d'épées. Moi, Johnny. Genre, la troll. Chier. J'ai 38 rubis, il m'en manque deux. Alors, te propose un forêt. Si, tu sais comment ça s'utilise, un bouclier? Bonjour, hein, tu le sais. Ouais, puis vas-y, on... J'apprendrai ça au moment d'utiliser. Bon. Ah oui, j'ai tout piqué déjà chez le type. Et toi, Nika, tu peux pas me pondre un peu de... Putain d'enfoiré. Bon, moi c'est fait. Dans ta face. Dans ta face. Merde. Allez, donne-moi cette merde de bouclier. À l'écran de titre, blablabla, bla, je connais la chanson pour l'équiper. Appuyez sur R pour vous en... Non, c'est bon. Voilà. Ah oui, ça.
J'ai l'impression que le jeu va cracher quand j'appuie sur start. Y'a pas moyen de... Voilà. Voilà. Hop. Ah non, tu peux faire soit attaque ou défense, mais tu peux pas être dans le même temps, espèce de... Le jeu va enfin commencer. Ah, j'ai essayé. Non. Non, mais... Non. Comment j'avais fait là? J'avais réussi à cibler quelqu'un. Ah bah voilà. Alors, à devant une pierre, hein, je la soulève. T'en fais pas, t'en fais pas, on va être gentil. Voilà. En plus, ça me fait du fric. Franchement, ce Mildo, il me fait penser à quelqu'un qui, je ne dirais pas son nom, hein. Sinon, il va encore péter une durie. Ah, pauvre garçon, je t'ai aidé pour les autres pierres. Je peux pas tout faire. Bon, allons-y. Bon, sale mioche, si tu veux, je vais te donner des coups d'épée dans ta gueule. Si tu me laisses pas passer, j'ai Nika, j'ai mon épée, j'ai mon putain de bouclier. Maintenant, laisse-moi passer. Le très vénérable arbre mojo dit qu'un kokiri... Okay. Okay. Tu vas me laisser passer, oui ou merde? J'ai ton putain de bouclier. Alors le jeu va enfin pour cibler, il faut que ça soit à la portée que Nika soit sur la cible. Ok. Il n'y a pas moyen qu'il me laisse passer ce... Cette nouille. J'ai le bouclier, j'ai l'épée maintenant. Je l'emmerde. Là il me dit c'est le côté banane. Ça va, j'ai du mal à faire attention avec cette carte. Ah oui, c'est toi le connard. Si tu veux voir le vénérable arbre, il te faut d'abord une épée. Je te la fous sur la gueule si tu me laisses pas passer. C'est une épée que je vais mettre dans ta gueule si tu me laisses pas, si tu me laisses pas passer. Et j'ai un bouclier pour te ratatiner la gueule si tu veux pas me laisser passer. Donc j'ai tout ce qu'il faut. En plus j'ai Nikazor. Donc j'ai trois trucs qui peuvent te péter la gueule, donc tu vas me laisser passer. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein? Moi, le grand mytho. Moi, je dirais le grand mytho. Alors, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Puis d'abord, comment t'as fait ça pour être le chouchou de Saria et du Minerva Bonjour? C'est simple, il faut être un pauvre con chevelu qui a une fille qui s'appelle Nika et qui rêve d'un Rookmoot de l'enfer sur un cheval. Voilà. Ouais, maintenant casse-toi, espèce de gratos. Eh, bonjour à toi, Jassia, je suis content de te voir. Ah. Ah oui. Eh, je trouve un bout de bois, il a trop d'épée, ce glandu, j'en reviens pas. Lors des frames, le glandu te dit déjà, je t'emmerde. Pour être plus poli. Ah, je me rentre. Encore un bâton. Ouah, c'est ça la promo jo. Merde. Eh, on dirait ma tête quoi, après que j'ai vu le film des Dora Live. Oh, Nika, enfin te voici.
Mais arrêtez de l'appeler Navi, elle s'appelle Nika. Je l'ai renommée Nika. Comme dans Pokémon, on nomme ses Pokémon. Moi, je renomme ma vie comme je le veux. Donc, elle s'appelle Nika et faites pas chier. Et est-ce que vous aimez bien l'overlay que j'ai mis? C'est sobre et coquet et tout simple. Désolé si j'ai pas mis le chat. Enfin, le chat sur le stream. Mais j'ai pas pensé à cette éventualité, je m'en excuse. Alors, donc je reprends, je suis désolé, je m'égare. Alors, écoute bien, jeune enfant. Moi, l'arbre mangeur, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par de puissants songes et de terribles cauchemars. Mais non, je parle de la fée, patate. Ah, Lord. Ah, date. Ce boulet, Lord. Quand je dis que c'est Nika, je parle de la fée, pas de Link. Oh là là, c'est tarde. Enfin, mais c'est un tarde que j'aime bien quand même. Même s'il est rouge. C'est peut-être lui, en fait, le méchant du jeu. C'est peut-être Lord Ephraim. Enfin, je vais arrêter de m'égarer. Alors que la force est obscure. Alors que les forces obscures de la force grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant. Je suis déjà assez perverti comme ça, mais bon. Il y a peut-être d'autres créatures pures à pervertir. Le pervertissant nous rêve de sombres présages. Ouais. Mais toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti sur ta famille. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, mais bon, on n'est pas des chouchous. J'accepte avec plaisir. Alors, entre, brave Link. Et toi aussi, Nika. Je regarde juste ce qu'a envoyé Lord Ephraim. Ah, bien sympa. Donc, et appelez-la Nika. Elle s'appelle Nika. Enfin, Nikazor, mais j'ai envie de faire court en disant Nika. Nika, la fée, tu aideras Link, de tant mieux. Te prends pas pour Yoda non plus. N'empêche, moi qui pensais que Emile qui rentrait dans sa sœur, je trouvais ça complètement grave et déjanté. Mais je me dis qu'en fait, Emile au moins il fait ça avec une fille. Alors que nous on le fait avec un arbre. Elle s'appelle Navi pendant tout le jeu. Je sais, Lord Ephraim, mais moi je l'appelle Nika. This not negotiable. Et toi, Link, quand un Navi désira te parler, utilise Flèche Jaune Haute pour écouter ses conseils avisés. Ou alors si elle a des problèmes à te raconter. Ok, bon bah rentrons dans l'arbre. Faut juste que je m'habitue que donner des coups c'est avec. Ah bah oui. Bon, des bâtons! Des bâtons! Si seulement je pouvais donner des coups de bâton à certains. Wouah! On va dans les ténèbres éternelles. Voilà, on rentre dans le corps d'un arbre. Bien sale et déjà préparé pour qu'on monte. Bon, je sais pas, mais moi je me dis que ça sent le truc. Alors. Ah, tu peux pas me lâcher les cœurs. Aïe. Qu'est-ce que t'as, Nika? Mojo Baba frappe là après son attaque et elle se dresse la tranche de la ville pour tenir un bâton Mojo. Et on a des noix! Bon bah. Il faut un casse-noix maintenant. Chris doit aimer OTT, on peut taper avec un bâton. Sombre lame, je sais même que dans le pit. Quoi encore, Navi? Enfin, je veux dire Nika. Hé! Hey, regarde, Link! Tu peux voir à travers cette toile d'araignée en utilisant une touche jaune vers le haut. Ah merde, vue inversée, tu fais chier. Ouais bah et alors? Je vois qu'il y a un truc à la con mais ça je m'en fous. Ça c'est la sortie, on va grimper. Jusque...
jusque là tu t'en sors pas trop mal, enfin, oui. Mais d'habitude appelez-moi, c'est Zach le pseudo, donc appelez-moi Zach, mais ceux qui me connaissent pas mon prénom, bah je vais pas vous empêcher de m'appeler ainsi. Alors voyons voir. Ah joie, c'est tout. Oh, enfin c'est tout. Pour le moment c'est pas aussi casse-couille que les énigmes dans Hero 6 qui étaient complètement là. Alors regarde ce mur, les racines qui est les... Attendez, je vais la refaire. Hey, regarde ce mur, les racines qui les recouvrent les rendent pas praticables. Tu dois pouvoir les escalader, Link. Ouais, si les enfants de Elise me laissent tranquille. Vous avez mes sacs, j'aime pas. Oui, je peux comprendre, mais il y en a qui me connaissent par ce pseudo-là, donc. Et vous trouvez la carte du donjon qui va me servir à rien. Et il y a Lord Ephraim qui... Qu'est-ce que tu envoies encore? Tu aimes mes yeux. Il n'y a pas de cheveux. Voilà, déplacer. Zach, pourtant, ça lui ressemble. C'est un dragueur. Merci, sombre lame. Bon, il n'y a pas genre. J'ai comme Bart Simpson. Non, ça, on s'en fout des noix. Non, j'ai pas un lance-pierre. Non. À chaque fois, je fais la même. Hey, putain, il a balancé une noix. Bon, j'imagine que le truc. Oh, un cœur en plus. Oui. C'est pas un dragueur, c'est Johnny Bravo. Alors, Zach, pour ça. Waouh. Ça va pour l'échelle sur Scolding qui est un peu neuneux, hein. Après tout, il va devoir se faire chier à des... Il rentre dans un arbre, moi je trouve que c'est assez con. Ah, okay. Je parie qu'il est complètement vulnérable et qu'il y a des... Voilà. Bien ce que j'y pensais. Alors ne touche surtout pas. Ah je monte comment alors? J'ai pas de lance-pierre, j'ai que dalle. Alors place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action, c'est l'icône bleue située. Ok Jessia, de toute façon. Ne t'en fais pas, il y aura les VOD. Et ok, Nikazor. N'insistez pas, je l'appellerai tout le temps Nikazor. Bon, déjà. Tu croyais vraiment que t'allais m'avoir? Aïe, ouille, pardon, Seigneur, je te donne un indice si tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Gnac, gnac, gnac. Et c'est quoi? Ok, moi. Non, cher Lord Ephraim, c'est 2 heures de stream et que je segmenterai en 4 parties. Enfin, 3 parties. Car je vais pas faire chier le monde. Non, donne-moi ça. Je l'ai pris en plusieurs fois. Donc 2 heures. 4 morceaux. Voilà. Je dis 3, mais en fait c'est 4. Autant pour moi. Alors, blablabla. Bla, bla, appuie sur C pour brandir. Alors, C pour tirer une grande graine mojo. Alors si vous désirez tirer très très vite, après avoir appuyé blablabla, bla, bla, oh putain merde, franchement c'est chiant. Bon, comment j'ai... Hein? Ah, il a une bourse. Ah non, c'est un sac à graines. Bon. Voilà. Ah non, je vais sauvegarder. Voilà. Uploader sur YouTube.
À ton avis, son bras l'âme, où je plaiderai? Ce sera... sera forcément que sur YouTube, hein. Et je l'ai fait en plusieurs parties. Enfin, je l'ai fait en 4 de 30 minutes chacune. Vous avez trouvé un cœur de vie. Qui là, je regarde, j'ai commencé à être 18h et quelques. Alors, juste, je vais faire. Je vais changer de plan quelques secondes pour ce qui me servira. Ça, tu reviens au début du donjon. Ça, je sais, je reviens juste. Je fais juste un petit changement de screen pour comme ça, quand je couperai, je ferai de telle à telle minute. Après, j'en verrai. Enfin, je pense que vous aurez compris. Ah oui, c'est quoi? Donc, je reviens dans quelques minutes.